Bonjour Carl Olive. Bonjour Jérémy Matavergue. Maire de Poissy, vous appartenez à la majorité présidentielle. C'est dans votre ville, à Poissy, qu'Emmanuel Macron avait, on s'en souvient, débuté sa campagne présidentielle. Cette fois-ci, il n'est pas venu chez vous. Ce n'est pas la seule différence entre la présidentielle et les législatives. La présidentielle, il l'a gagnée. Les législatives, on vient de le voir dans le sondage Ipsos Soprasteria, il n'est pas sûr de les remporter. La majorité sera peut-être relative dimanche. Comment vous expliquez ce tassement, cette contre-performance de La République En Marche et de ses alliés dont vous faites partie? J'invite un maire, on va peut-être attendre le résultat de dimanche. La fin du match est sifflé dimanche aux alentours de... Mais le premier tour n'a pas été très bon. Vous savez, à la présidentielle, on annonçait moins 4 points au premier tour pour le président Macron. Il a fait plus 4 points par rapport à 2017. Donc il faut rester les pieds sur terre. Il faut continuer à faire des campagnes sur le terrain comme c'est le cas. Et puis dimanche, à 20h, sur France 2 comme partout ailleurs, on annoncera le résultat. Moi, je veux dire... Compte tenu de ce qui se passe sur le terrain, je suis raisonnablement optimiste. Oui, puisqu'on rappelle que vous êtes candidat à cette élection. Est-ce que les critiques de l'opposition sur ce déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, est-ce que ces critiques sont justifiées alors que la France est en pleine campagne électorale, que son avenir se joue? Est-ce que sa place est sur la scène internationale selon ça, vous? Ça, c'est formidable. Les oppositions ont encore raté une occasion de se taire. Il y en a certains qui écrivent l'histoire, c'est le cas du président Macron avec M. Draghi, avec le chancelier Scholz, et d'autres viennent raconter des histoires. Est-ce que vous pensez une seule seconde que le président a pu caler son agenda par rapport à ce déplacement? Et puis d'autres pleurent pour faire des 20 heures. M. Mélenchon, hier, a passé sa journée à cela, alors qu'il a fait le 20 heures avant-hier chez Mme Lapix. Il voulait faire le 20 heures hier à TF1, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont un ballon comme ça, j'espère que ça va les refroidir dimanche. Mais est-ce que néanmoins, il n'y a pas quand même une question qui se pose sur le calendrier? Est-ce que la remarque de l'opposition qui montre... Monsieur que... Wittenberg, vous pensez honnêtement que le conflit russo-ukrainien s'est accommodé de l'agenda du président de la République? Enfin, c'est une grosse... C'est lui qui a choisi la date, on sait maintenant que c'est lui qui a organisé le voyage. C'est une grosse supercherie qu'on n'aurait pas entendu si le président n'avait pas fait ce déplacement. Vous connaissez cette formule? Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et cette armée de gens d'autant plus sévère qu'elle ne fait rien du tout. C'est exactement cela. Donc moi, je salue ce geste, ce jour historique pour l'Europe et pour le monde, et puis que les autres continuent à commenter, et puis surtout à parler du président Macron comme il le faisait pour la présidentielle, ça va le faire monter dans les sondages. Les autres, comme vous les appelez, mais est-ce que les électeurs, eux, sont sensibles? Est-ce qu'ils vous parlent de la guerre en Ukraine autant qu'ils vous parlent du pouvoir d'achat et de la sécurité, par exemple? Mais est-ce qu'ils comprennent que cette question est essentielle aussi pour leur avenir personnel? Mais vous rendez compte, les Français ne sont pas dupes. Les Français, quand on est sur le terrain, je veux dire, saluent cette initiative. On dit souvent que le chameau ne voit pas sa bosse. Mais regardez ce qui se passe autour de nous. Tout le monde a salué ce jour historique, encore une fois, pour l'Europe et pour le monde. Il n'y a qu'une petite minorité ici qui vient polluer le quotidien, quoi qu'on fasse. Eh bien, évidemment que sur le terrain, on nous parle, je dirais, de cette initiative du président de la République. Pas depuis hier. Et personne ne vous dit qu'il ferait mieux de s'occuper de nos problèmes. Personne ne vous le dit en toute sincérité. Mais ce n'est pas incompatible le fait de dire également qu'il faut remplir le frigo. Et c'est ce qui sera fait avec ces lois d'urgence qui sont prises cet été si la majorité, évidemment, est en place. Mais ça a un impact, comme le dit le président, sur le pouvoir d'achat des Français, l'initiative qu'il prend, la proposition que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Mais évidemment, regardez ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'indépendance à la fois énergétique, par rapport au fait que les céréales aujourd'hui, et pas seulement le blé, je pense à l'orge, je pense également au maïs, manquent cruellement. Et il faut effectivement créer des corridors sanitaires pour pouvoir importer, pas seulement pour la France, M. Wittenberg, mais également pour l'Afrique, je pense notamment. Il y a une ligne de fracture sur cette question à La République En Marche et parmi ses alliés dont vous faites partie. Vous critiquez souvent Jean-Luc Mélenchon, vous critiquez sa mansuétude passée vis-à-vis de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la République, enfin plutôt la NUP, la gauche, dit aussi que la Russie commet un crime de guerre en Ukraine. Donc, est-ce que vous avez encore un argument là-dessus? Ah, mais ça, c'est formidable. Hein. Vous savez, donner l'arrivée du tiercé après la course, c'est très, très facile. Moi, j'aurais bien voulu que M. Mélenchon, au moment même où a démarré ce conflit russo-ukrainien, puisse prendre position. Ça n'a absolument pas été le cas. La vérité, si, c'est... il a pris position pour dénoncer cette l'attaque de Poutine. Non, mais attendez, au bout de combien de temps? Excusez-moi, au bout de combien de temps? Ça, c'est très, très simple quand tout le monde y va. Il faut du courage. C'est ce que le président Macron a montré. Moi, ce que je constate aujourd'hui, si on va un petit peu plus dans la politique, M. Wittenberg, c'est que la NUP, finalement, on est presque sur un cartel des gauches. C'est une addition d'étiquettes politiques. C'est quoi la NUP ou NUPES aujourd'hui? C'est le LFI qui veut sortir de l'OTAN, mais le Parti socialiste qui ne veut pas en sortir? Est-ce que c'est finalement le LFI qui veut sortir du nucléaire et les Verts qui veulent de l'éolien? Est-ce que c'est finalement
le port du burkini que les Verts souhaitent et que le PC ne souhaite pas. C'est, moi, j'ai connu ça à Poissy. Hein. J'ai connu ça. Ça a duré un mois. Le cartel des gauches, rappelez-vous, 1924, c'est parti droit dans le mur. Le cartel des gauches, comme vous l'appelez, est-ce que ça vaut la peine de le diaboliser comme beaucoup de candidats de la République En Marche le font, en renvoyant dos à dos ce qu'ils appellent l'extrême gauche et l'extrême droite? Ça peut choquer aussi certains électeurs. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui tracent un signe égal entre l'extrême droite et l'extrême gauche, ce que vous appelez l'extrême gauche? C'est très intéressant ce que vous dites, monsieur Wittenberg, parce que on s'aperçoit que pendant les crises, c'est l'histoire qui nous montre ça, hein. Les extrêmes se rejoignent. Les fachos pas trop fâchés peuvent venir à NUPES, ou les fâchés pas trop fachos, après l'absus de monsieur Mélenchon, peuvent venir à NUPES. Mais vous rendez compte la provocation, la haine qu'on a derrière sur le terrain, et notamment dans les quartiers. Est-ce que tout le monde est comme ça dans ce courant-là aujourd'hui? Mais lorsqu'Olivier Faure dit par exemple, moi je suis pas d'extrême gauche, vous l'entendez? Ou Fabien Roussel, enfin, est-ce que vous notez quand même qu'il y a des nuances dans ce camp? Bien sûr, il y a des tellement belles nuances qu'on est sur une alliance de la carpe et du lapin. Ça, forcément, les gens l'entendent. Et je vais vous donner un exemple très précis. La retraite à 60 ans, on en parle, c'est formidable. Vous pourriez être en retraite, monsieur Wittenberg, dans très longtemps. Oui, non, mais vous aimeriez peut-être. Donc, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, à 25-26 ans, c'est l'entrée sur le marché du travail. Il faut 40 annuités pour monsieur Mélenchon. 25 plus 40, ça fait 65. Ça ne fait pas 60. Alors, vous pouvez partir en retraite à 60 ans, mais vous avez une décote de 20 ou 30%. Il faut terminer les phrases. C'est ça ce qui se passe sur le terrain. Nous, on ne vend pas du rêve. On s'adosse sur le principe de réalité. Alors, vous ne vendez pas du rêve. Et est-ce que vous avez quelqu'un pour représenter dignement, selon vous, ce que vous incarnez pour le futur? Est-ce qu'Elisabeth Borne, pour le dire autrement, est la bonne personne pour conduire cette future éventuelle majorité et pour vendre du rêve ou pas vendre du rêve, justement? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce qu'on a quelqu'un qui serait digne ou indigne? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. On a une première ministre. On a une première ministre qui fait force de courage en étant sur le terrain pour gagner à elle-même sa compétition. Il y a 421 élus de la République sous les couleurs de la majorité présidentielle qui se battent au quotidien, pas tous sur les plateaux à commenter, sur le terrain. Et quand on est sur le terrain pour détricoter quelques exemples, comme je viens de le dire, ça se passe très bien et on arrive en tête. Donc, c'est effectivement un logiciel qu'il faut changer. Tout n'est pas parfait, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le second quinquennat? Le logiciel, je pense qu'il faut prendre un peu plus de bourre-pif sur le terrain. Aller à la rencontre des Français et les écouter, se nourrir de leurs différences et en plus valider. C'est un petit peu Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Vous voulez dire que s'il faut aller plus sur le terrain, c'est qu'on ne l'a pas fait assez, c'est qu'on ne le fait pas assez aujourd'hui? Non, on l'a pas, mais il faut dire il y a trop de députés hors sol, ça vient du gouvernement, non. Ça vient de qui? Alors oui, que vous voulez changer? Députés hors sol, disons très clairement que le non-cumul député-maire, c'est une vraie connerie. On pourrait imaginer à pouvoir le refaire pour pas qu'on ait de déconnexion de fait et obligé, puisque les députés ne peuvent pas être à la fois à l'Assemblée nationale, alors que les maires, députés-maires, remontaient des Donc idées. Donc vous voulez qu'on revienne au cumul des mandats? Bien sûr, et puis je voudrais aussi qu'on aille vers le conseiller territorial. Moi, je vous parle de choc de simplification. Arrêtons d'emmerder les Français. Soyons jugés aux résultats et faisons preuve de pragmatisme et de bon sens. Si des choses vont, on y va. Si ça ne va pas, on le dit, on corrige, on est force de proposition. Aujourd'hui, vous appartenez à ce qui est encore la majorité présidentielle. Vous venez de la droite, des Républicains. Si le camp d'Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative, est-ce qu'il faut s'allier après le dimanche à la droite classique dans le futur? C'est une question. Oui, enfin, les Républicains, ce n'est pas la vaillole du singe. Il n'y a aucune difficulté à pouvoir travailler le cas échéant sur un contrat républicain. Un contrat de gouvernement, c'est ce que vous souhaitez? Je dis un contrat de gouvernement de temps à autre. Mais pourquoi les Républicains, sur des initiatives du gouvernement, ne seraient pas d'accord comme ils puissent y adhérer? Évidemment qu'il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Ce que je souhaite, évidemment, c'est que le président dimanche, mon petit doigt me dit que, contrairement à ce qui est entendu, il y aura une majorité absolue dimanche, et tant mieux, parce que les Français ont besoin de pacification, certainement pas de division. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas s'allier avec un vrai contrat, c'est ce que vous dites, avec la droite? Mais de façon conjoncturelle, que ce soit avec la droite, que ce soit avec la gauche républicaine, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté, c'est ce que dit le président de la République. C'est le grand dépassement. La France, ce n'est pas la gauche, la France, ce n'est pas la droite. Soyons un peu plus pragmatiques et de bon sens. Ça, c'est ce que nous réclament les Français sur le terrain. Il y a des ministres qui sont en difficulté, c'est indiscutable. Certains pourraient être battus dimanche. Il y aura donc un remaniement. Quoi qu'il arrive après ces législatives, on dit que vous seriez très intéressé pour entrer dans le gouvernement. Moi, je suis demandeur de rien. Déjà, vous êtes demandeur de rien, mais vous accepterez les choses. Non, non,
attendez, si il faut déjà gagner, si Wittenberg. Il faut gagner la bataille dimanche. Et moi, j'apporte évidemment tout le soutien aux trois ministres dont vous faites allusion. Et je peux vous dire que dimanche soir, à 20h, on en reparlera. Et vous, monsieur Olive, votre avenir, vous le voyez où? Vous le voyez éventuellement dans un gouvernement? Alors, mon avenir, en sortant d'ici, je vais continuer à aller sur le terrain. Dimanche, on va faire les calculs. Et puis, si je suis député, je peux vous dire que je vais me battre pour que la France, dont je suis éperdument amoureux, puisse avancer et grandir encore un peu plus modestement. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Carl Olive, maire majorité présidentielle de Poissy et candidat aux législatives. Bonne journée. Merci beaucoup.